que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de la Blissim du mois de juillet, mais aussi du mois d'août, car comme vous le savez, il rassemble les deux box d'été dans une seule et unique box. Aujourd'hui, c'est tout naturel pour moi également, comme vous pouvez le voir. Pas de maquillage, les cheveux en pétard. En même temps, j'ai pas trop envie. Je suis en mode flemmard en ce moment. Vous imaginez même pas à quel point je suis comme la météo. Je n'ai envie de rien faire. Enfin, franchement, chez nous, c'est déprimant. Le temps, il pleut tout le temps. Et la seule fois où il fait beau, eh ben, pour ma part, je me tape un sacré coup de soleil dans le visage, mais aussi ici. Mais bon, ça va, voilà, je souffre pas trop. C'est vrai qu'ici, on profite fortement dès qu'il y a du soleil pour sortir, parce que c'est vraiment très très rare. On ne croirait pas qu'on est en été. Il nous tarde quand même les beaux jours. Je sais pas si chez vous c'est pareil, dites-moi en commentaire. Voilà, je suis quand même assez curieuse, j'envie vraiment les sudistes. Bon. Allez, let's go pour la présentation de la Blissim du mois de juillet, mais de août aussi. Et donc, pour ces deux mois, notre fameuse Blissim se présente dans une jolie petite enveloppe, comme vous pouvez le voir. Enfin non, voilà, je vais vous expliquer pourquoi on était censé recevoir un cabas, c'est vrai, mais ils nous ont prévenu que tout simplement, ils ont du retard, ils ont pas réceptionné à temps ces fameux maxi cabas, ces grands sacs de plage, et donc on les aura que pour le mois de septembre. Mais à la place, malgré tout, ils sont quand même très très généreux, je vous avoue, ils nous offrent quand même 15 euros sans minimum d'achat à dépenser sur leur site. Donc voilà, ça reste quand même sympa de leur part. Bien que j'aurais quand même aimé avoir le cabas pour partir en vacances. Mais bon voilà, c'est pas grave, on l'aura le mois prochain. Nous avons quand même le fameux livret où ils nous expliquent les produits qui sont à l'intérieur. Et donc pour ces deux mois d'été, la Blissim s'intitule L'heure bleue. Et donc le premier produit qu'on y trouve, c'est de la marque Respire, qui est marquée fabriquée en France. C'est un gel crème hydratant qui convient parfaitement aux peaux normales à mix. Nous avons reçu le format vente qui est un 50 ml. Son prix est de 13,52 €. Alors il est fait à base d'extrait de millepertuis, d'huile d'amande douce et de l'acide hyaluronique pour hydrater en profondeur et apporter de l'éclat. Votre peau retrouve tout son éclat, vous voilà de bonne humeur pour démarrer la journée. Donc plutôt pas mal ce premier produit je trouve. Je vais voir si je peux sentir ou non parce que vous savez à quel point j'adore sentir les produits. Il n'y a pas d'opercule donc c'est tout à fait possible. Ça a l'air de sentir bon. Je vais en appliquer un peu, vous savez, sur ma paume de main. Tant qu'à faire. Enfin voilà, ça reste une petite crème, tout simplement. Ah, elle sent super bon. Je trouve que ça a une odeur vraiment qui nous fait penser justement à l'été. Donc c'est un produit qui convient, j'ai envie de dire, très très bien pour une box d'été. Ensuite, nous avons un produit de la marque 71%. Alors je ne sais pas si ça se prononce ainsi, d'ailleurs je ne connais pas du tout cette marque là, donc ça va être une première, j'ai vraiment hâte de découvrir et il tombe très très bien également ce produit. Donc en fait c'est une crème solaire Eco Sunshield transparent, donc c'est une très haute protection, donc c'est un indice 50, donc franchement génial, celui-là je vais l'emmener avec moi quand je vais partir dans le sud parce qu'il va quand même falloir que je protège ma peau. En plus étant donné que je suis enceinte, je vais encore être un peu plus vigilante, bien que voilà, je me suis déjà tapé un coup de soleil hein, mais bon, je vais quand même faire un peu attention. Donc il protège contre les UVA et UVB, donc très très bien. Le format vente c'est un 50 ml, donc c'est celui qu'on a reçu une fois de plus, un format vente. Son prix est de 19,47 €. Donc il s'utilise sur tous les types de peau, même grasse et mature. Ils disent faites chauffer la texture et masser jusqu'à ce que le léger voile blanc soit à peine perceptible. En fait c'est une crème solaire tout simplement. Mais bon voilà, moi je suis très très contente de recevoir ce produit parce que je vais en avoir l'utilité comme je vous l'ai dit. Et pareil, hein, ça convient parfaitement pour une box d'été. Donc encore un bon point pour la Blissim. Puis nous avons un vernis à ongles de la marque Le Rouge à Ongles. Donc là c'est le format vente. Son prix est de 16,40 €.
15. Il me semble qu'on pouvait choisir la teinte. Moi, j'ai pris, vous savez, la teinte un peu lila. Franchement, je trouve qu'elle est hyper jolie. J'adore. Il y a également une teinte rouge et une teinte un peu plus beige. Mais je trouve que celle-ci, elle fait beaucoup plus penser à l'été, justement. Donc, ce vernis à ongles, il est vegan, made in France, à base de plantes et promet une tenue longue durée. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la teinte Ménilmontant, donc qui est une teinte un peu lila justement, qui incite à la quiétude pour les rêveuses, ils disent. Il y avait la teinte Popincourt qui est en fait le rouge flamboyant pour celles qui osent se faire remarquer avec brio. Pour ma part, j'ai pas choisi le rouge parce que tout simplement j'en ai plein à ma possession, donc voilà. Et puis il y a également le Palais Bourbon qui est un rose tendre pour celles qui embrassent le bonheur, donc qui est beaucoup plus clair que celle-ci. Voilà, ça a l'air d'être une teinte un peu nude, mais voilà, moi je préférais celle-ci. Ensuite, nous avons de la marque MCO Beauty, c'est en fait une huile à lèvres hydratante Peachy Gloss. Alors il y avait deux versions possibles apparemment. Moi j'ai eu la Peachy Babe, donc c'est la teinte un peu plus rose clair. Alors ce produit n'est pas vendu sur le site Blissim, par contre pareil, c'est un format vente. Donc elle est enrichie en huile de fruits naturels pour adoucir et hydrater les lèvres en profondeur. Elle a également une texture non coulante, alors ça c'est génial. Moi j'ai horreur d'avoir les lèvres, vous savez, l'impression qu'ils collent entre elles, donc super. S'applique très facilement et apporte une explosion de couleur dès la première couche. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a deux teintes possibles. Une un peu plus rose foncé et moi j'ai eu la teinte un peu plus nude. Donc je vais swatcher parce que je sais que ce produit-là, je vais le garder et je suis quand même très très curieuse. Je vais l'ouvrir de suite et je vais vous montrer ceci, ce que ça donne. Mais ouais, plutôt contente également de ce produit. Donc c'est un applicateur en mousse et donc ça reste sympa. Après, ça reste une huile. Vous savez, c'est pas non plus un rouge à lèvres. Mais bon. Ah si, il y a une odeur qui se dégage. Je sais pas, une petite odeur de pêche, je trouve. Après, moi, avec mes odeurs actuellement. Mais ouais, elle sent hyper bon. Après, je sais pas. Je me demande si je sens pas non plus pas la crème encore. Mais ça sent hyper bon. Donc voici moi la teinte que j'ai eue. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ça reste une huile. Donc ça reste quand même assez discret. Ce qui est vraiment super pour l'été aussi. Ensuite, nous avons de la marque Moroccanoil. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce ainsi. D'ailleurs, je ne connais pas cette marque. Dites-moi en commentaire si vous vous connaissez. C'est un soin pour tous les types de cheveux. Nous avons reçu un 10 ml. Donc là, c'est une miniature. Le format vente, c'est un 100 ml. Et son prix est de 40,80 €. Donc franchement, je suis très contente de recevoir ce produit parce que personnellement j'adore tester tout ce qui est produit pour cheveux, donc ce qui est le cas concernant ce produit là. Alors il a de nombreux bienfaits, il permet de démêler, d'assouplir, d'aider au coiffage et de rendre les cheveux plus doux. Alors on peut l'appliquer aussi bien sur cheveux humides que secs, donc voilà, très très bien. J'ai vraiment hâte de le tester parce que je sais pas vous, mais moi en été j'ai des cheveux très très secs, encore plus ben, quand je pars en vacances à la mer, vous savez, avec le soleil, le sable. Moi avec les enfants qui jouent dans le sable, ils me balancent le sable un peu partout, vous savez, enfin mes cheveux ont tendance à dessécher encore plus, ils sont hyper sec, limite c'est de la paille. Donc voilà, j'ai quand même hâte de tester ce produit et on verra bien. Comme je vous le dis toujours, hein, tous les produits que je termine, eh ben, je vous donne mon retour dans mes vidéos produits terminés. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner histoire de ne pas louper ces vidéos où je vous donne mes retours justement. Prochain produit, c'est encore pour les cheveux décidément. Donc c'est de la marque Brave New Hair. Donc cette marque là, je la connais déjà, je l'ai déjà testée et franchement j'aime beaucoup. C'est en fait leur masque reconstituant, donc qui se présente ainsi. Donc c'est un 50 ml que nous avons reçu, hein. Donc c'est pas le format vente qui lui est de 250 ml et son prix est de 11,90 €. Mais une fois de plus, très très contente également. Voilà, ça tombe vraiment très très bien. En plus, je sais que ce produit là, je l'aime beaucoup. Il permet de booster la brillance de vos cheveux, de restaurer la structure interne de la fibre, lisser les longueurs et apporter une bonne dose de douceur.
pas de silicone ni d'ingrédients d'origine animale. Laissez poser sur cheveux humides et rincez au bout de 5 minutes. Voilà, ça reste un masque. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très très contente de recevoir ce produit, d'autant plus que mes cheveux sont encore plus fragilisés en été. Comme je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus secs et j'aime pas cet aspect de paille qu'ils ont. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir un peu en vidéo. Enfin, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout. Et c'est vrai que justement ces masques là, ces huiles, ça permet justement de leur apporter un peu de douceur. Donc franchement, je suis très très contente de recevoir les deux produits pour les cheveux. Enfin, pour ma part, ça me pose aucun souci. Et puis ça sent également très très bon. Là par contre, je suis moins fan du produit que je vais vous présenter parce qu'on l'avait déjà reçu il me semble et franchement je n'aime pas du tout. C'est de la marque This Work. C'est en fait un spray à mettre sur vos oreillers, un spray d'oreiller relaxant, ils appellent ça. Donc 5 ml, bien entendu, c'est pas le format vente. Le format vente, c'est le 75 ml et son prix est de 19,55 €. Je n'aime pas ce produit parce que tout simplement, j'ai horreur des produits qui sentent la lavande. Et franchement, ce produit-là, c'est juste pas possible pour moi. Il y a des huiles essentielles de lavande, justement, de vétiver et de camomille sauvage 100% naturelle pour vous détendre. Vaporiser sur votre oreiller ou votre couvre-lit avant de vous coucher. Et bien, moi, je ne peux pas. Franchement, pour moi, ça sent mauvais. Après, certaines d'entre vous aiment peut-être l'odeur de lavande. Moi, c'est juste pas possible. Je l'avais testé quand même, hein, le dernier spray que j'avais reçu. Et franchement, quelle bêtise que j'ai pas faite. Franchement, j'ai regretté d'en avoir mis sur mon oreiller. Donc, autant vous dire que je sais que ce produit-là, je vais pas l'utiliser. Puis, nous avons de la marque Bioderma, hein, qui est vraiment une très, très bonne marque. C'est en fait un sérum concentré hydratant, peau sensible et très déshydraté. Nous avons reçu le 15 ml, le format vente c'est un 40 ml et son prix est de 17,43 €. Donc permet d'hydrater votre peau en profondeur. Son brevet biologique Aquagenium qui aide à retenir l'eau dans votre peau et stimule son hydratation naturelle. Il a également une texture fondante, rafraîchissante, son effet est lissant et booster d'éclat qui sublime tous les types de peau. Appliquez matin et ou soir sur peau propre, seule ou avant votre crème. Bon, après, ça reste un très bon produit. Voilà, ça reste un sérum. Mais bon, voilà, je trouve pas que ça fait été maintenant comparé aux autres produits qu'on a reçus. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même un très très bon produit. Ensuite, encore une très bonne marque, c'est la marque Sanoflore. C'est en fait une lotion aqua merveilleuse. Nous avons reçu le 50 ml, le format vente c'est un 200 ml et son prix est de 23,72 €. Plutôt contente de recevoir ce produit, voilà, je n'ai jamais testé, donc on verra bien ce que ça donne et j'aime bien les lotions. J'en applique régulièrement, donc voilà, on va tester celle-ci. Alors c'est un produit bio et également vegan, c'est en fait un peeling quotidien pour faire peau neuve, ils disent. On va voir ce que ça donne. Il est fait à base d'extrait de bourgeon de hêtre et de totem de mélisse bio. Il a une texture biphasée en fait. Vous savez, il est composé d'huile mais également d'eau qui apporte une sensation de fraîcheur et de confort. Il va permettre en fait de stimuler le renouvellement cellulaire, de diminuer les rides et lisser le grain de peau. Moi, j'adore appliquer les lotions, vous savez, le matin au réveil. Je trouve que ça rafraîchit le visage, justement. Donc, on va tester celui-ci. Alors, pour l'utilisation, comme je vous l'ai dit, vous l'appliquez le matin et le soir sur un coton. Mais avant de l'appliquer, justement, il faut quand même le mélanger. Vous savez, vous le secouez à cause, justement, de cette texture biphasé, vous savez, cette huile et cette eau afin que ce soit bien mélangé. Utilisez la lotion en cure d'un mois pour faire peau neuve. Et pour finir, nous avons un lait corps nourrissant de la marque Cadalys qui est également une très bonne marque. Un format vente une fois de plus, donc 100 ml, son prix 14,45 €. Alors il y a inscrit sur le produit à la banane jaune et au beurre de karité. Donc en fait la banane jaune, elle a une action anti-âge qui permet de régénérer, de réparer et de raffermir la peau. Et le beurre de karité pour réparer.
tandis que l'huile de rosée muscat pour réduire les taches pigmentaires. Il a une composition 100% vegan et une texture légère qui laisse la peau délicatement parfumée. Donc très très contente de recevoir ce produit parce que je ne connais pas, enfin plus particulièrement celui-ci. Et c'est vrai que moi j'adore la banane, donc j'ai hâte de voir s'il sent la banane ou non. Je vais voir si c'est possible de sentir ou non. Bon, il y a un opercule dessus, donc je pense que je vais pas sentir grand chose. On sent rien du tout, donc là c'est pas possible. Je vais pas l'ouvrir parce que tout simplement actuellement je suis en train d'utiliser un autre lait pour le corps qui est à la monoeil également, bien qu'il va être très vide prochainement. Et je pense que le prochain que j'utiliserai, bah, ça sera celui-ci, parce que je suis quand même très très curieuse concernant l'odeur. Alors ils disent hein, qu'on peut l'appliquer toute l'année comme lait hydratant sur peau sèche et propre, mais également parfait en après-soleil, après une séance bronzette. Donc vous savez quoi, ce produit-là, je sais quand je vais l'utiliser, bah, ça sera quand je serai en vacances, tout simplement. Et donc voilà, concernant cette blissime du mois de juillet et d'août, globalement je suis quand même assez satisfaite des produits que j'ai reçus. Ils me font quand même penser un peu à l'été, sauf certains produits, mais bon, autrement ça reste de très très bonnes marques. Seule petite déception, forcément le spray pour les oreillers, franchement c'est juste pas possible pour moi. Et puis bon, je trouve ça aussi dommage qu'on n'ait pas reçu le Kaba, bah, justement pour les vacances d'été. Bon, il arrivera en septembre, c'est pas grave, ça sera pas perdu, hein, on l'utilisera l'année prochaine au pire des cas. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de votre blissime, si vous avez reçu exactement la même chose. Pour celles qui veulent s'abonner à cette box beauté, sachez que je peux vous parrainer, hein, le lien de parrainage est en barre d'infos, je vous l'affiche également par ici. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine.